here in Orange, New Jersey, and I'm here on the other side of the camera. I have the humble ambassador, Big, and I also have my brother here. Yes. And we're here receiving a donation. On est en train de recevoir un don. Je le dis en français parce que ça, ça va partir au Congo et en Haïti. On vient de recevoir un don. Il y a de, c'est un don des équipements médicaux. Yeah. So là, vous allez voir, il y a tout ça qui est en train de partir. Mm-hmm. C'est pour aider, pour encourager, aider aussi nos populations. So il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup d'équipements. En tout cas, moi en médecine, je ne m'y connais pas. Mais au moins, on est là, il y a ce cœur-là de donner. Il y a des masques, tout ça là, c'est sans des masques. Il y a beaucoup d'équipements. So, the message here is, we have received this to ship to Haiti and Congo. The thing is, we are calling out for a drive. Now, this is an international solidarity drive. We need donations. So whatever you have, and here we're not talking about just old stuff. This here you're seeing, it's new and quality. So even though you're giving, but you have to also give with quality. So I'll take my camera, I'll switch it over. Wow, the same way it was. The same way, there you go. Et voilà l'ambassadeur Hugues, please. C'est tout le monde qui vous voit. Mm-hmm. Bonjour, bonsoir le monde. Bonjour, bonsoir Haïti. On est en train de faire un don pour supporter nos amis africains. Je suis haïtien et je dis souvent je suis né en Haïti, mais mon cœur, ma racine, mon sang, ma culture sont africains. Et la civilisation commence en Afrique. Et l'Afrique a beaucoup de richesses. C'est la raison pour laquelle je lance un message à tous nos frères et sœurs africains de s'unir ensemble afin que l'Afrique soit plus forte, plus belle et plus puissante. Nous avons des millions d'Africains et africaines qui laissent l'Afrique pour prendre refuge aux États-Unis, au Canada et dans les autres pays. Pourtant, l'Afrique est riche. Pourtant, nous pouvons développer l'Afrique. Nous pouvons développer notre pays, Congo, Swahili, all these countries in Africa, you know, Sénégal. On a beaucoup de richesses, on a de l'huile, on a de l'uranium, on a vraiment de l'agriculture, on a de l'or, on a tout en Afrique. Pourquoi laissons-nous Afrique pour développer ou bien pour aider développer d'autres pays? Unissons-nous ensemble. Alors nous lançons une invitation à tous nos frères et sœurs africains, les médecins, les professionnels, de nous joindre pour afin que cette activité de drive puisse être forte pour envoyer des matériels médicaux, de la nourriture pour nos frères et sœurs africains et haïtiens. Congo vient de frapper par un désastre naturel. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont affectés. Alors, moi, étant humaniste, je suis toujours présent là où on a besoin du support humanitaire. Alors, je lance un message à tous et à toutes de nous rejoindre pour que cette activité de joie puisse être forte afin d'assister nos frères et sœurs. Il y a beaucoup de médecins africains. Il y a beaucoup de professionnels africains, il y a beaucoup d'avocats africains, de businessmen africains. Et je tiens à féliciter l'ambassadrice Noëlla, qui a vraiment un cœur humanitaire, qui a encouragé, elle m'a encouragé de venir en aide à Afrique. Noëlla, félicitations. Merci. On va travailler ensemble. Ouais. Et il se pourrait bien que je rentre en Afrique, à Congo. Bien sûr, tu dois venir visiter. Je sais pas comment ça va être arrivé, mais je veux visiter. On va bien vous accueillir. Yeah. Je veux visiter Congo. Mon ami Gandhi, je sais pas s'il veut aussi visiter Congo, mais on doit retourner en Afrique. Il faut qu'il y ait un retour stratégique en Afrique. Il faut que les valeurs haïtiennes,
les valeurs africaines retournent en Afrique. Ouais. Parce que si les docteurs, les avocats, les médecins, les professionnels retournent pour projeter, pour mettre leur expertise en action, on peut changer pour développer l'Afrique, je pense, je suis persuadé que l'Afrique va être fort, bien puissant. Sûr. Et pour ajouter aussi, sans vous couper, Excellence, c'est quand vous voyez bien les Africains qui ont été pris de l'Afrique en esclavagisme, ils ont pris nos meilleurs, ils ont pris nos ingénieurs, nos docteurs, ils ont pris nos génies. Et on a tous ces têtes à l'extérieur. Non, nous devons faire quelque chose de nos pays. Mm-hmm. On ne doit pas toujours espérer pour les autres, mais nous devons faire quelque chose pour nous. Ça, c'est vraiment un message. En tout cas, ambassadeur Hugues, je vous remercie vraiment beaucoup de ce geste. Yes. Et ce geste ici, ça va apporter encore beaucoup, beaucoup, et ça va encore it's gonna touch, you know, a lot of people to act, not only but in giving, but also giving what you have here.